Sein, j'ai pas mon front. On va peut-être pas voir mes seins. C'est parti, hein, bientôt. Yes, on est live. We are live. Yeah. Hello tout le monde. Oh, salut. Bonsoir Yasodora, bonsoir Pénélope. Salut. Bonsoir Tecla. Coucou tout le monde pour ce call aujourd'hui, parler aux entités. Les ghosts versus Yoru. Et on parle aujourd'hui des corps et entités. Moi, j'ai vraiment un truc là, corps, entité, il y a un truc qui cloche, quoi. C'est comment, corps, ok, entité, ok, mais c'est quoi le rapport entre les deux, en fait? Tu vois, il y a un lien que j'arrive pas quand même à complètement faire. Il y a combien est-ce que ton corps, et pour vous tous qui sont en train de voir ici, combien est-ce que votre corps est plus prêt à recevoir les entités qui vous entourent que vous? Et combien de fois est-ce que votre corps, en fait, a un point de vue sur le recevoir, ou est-ce que vous avez des points de vue sur le recevoir? Et combien est-ce que ça limite, en fait, la création avec les entités? Wow. Alors, tu déjà t'ouvres un sujet qui est phénoménal, la création avec les entités. Est-ce que tu veux développer un petit peu plus ça? Ben, comment ce serait, et souvent, en fait, pour les gens qui ont déjà fait qui ont déjà joué avec les outils Access, qui ont joué avec les entités ou avec les outils de parler aux entités, en fait, Talk to the Entities, qui est une branche, en fait, dans Access qui a été créée par Shannon O'Hara. Et un truc que j'ai beaucoup vu, c'est que les gens, souvent, ils déblayent, ce qui est une possibilité avec les entités, mais quoi si au fait là, il y a encore plein d'autres choses que tu peux faire avec eux, qui va ouvrir en fait à une autre création aussi dans chaque domaine de ta vie. Et pas que la facilitation ou les déblayages, mais vraiment une contribution, une création entre les deux. Où eux, ils peuvent contribuer à toi, toi, tu contribues à eux. Et de n'importe quelle façon, parce que même là, si tu changes quelque chose pour quelqu'un avec ou sans corps, quand tu déblayes quelque chose, est-ce que c'est là aussi, si c'est ça que la personne avec ou sans corps, si c'est ça que l'entité demande, et toi, tu es prêt à écouter et à être ça ce que la personne ou que l'entité demande, est-ce que c'est là où tu es une contribution, mais aussi l'un à l'autre, où tu peux le recevoir en fait aussi? Waouh, c'est vraiment, j'adore le pont que tu viens de faire, parce que voilà, moi ça fait 2 ans et demi à peu près que j'ai fait ma première classe Talk to the Entities, parler aux entités. Pour moi, c'est resté un sujet opaque pendant au moins un an, où j'avais à peine ouvert mon manuel, j'avais à peine reçu la classe, pourtant tout avait changé entre-temps. Et puis, j'ai commencé à m'ouvrir de plus en plus, à aussi avoir plus de présence avec mon corps, plus de présence dans ma vie. Et ce que tu viens de dire en parlant de contribution, c'est vraiment quand on apaise le monde de quelqu'un, que ce soit une personne avec un corps ou une personne sans corps, chacun est contribué en fait, quel que soit l'endroit où le monde a changé, c'est une contribution pour tous. Et je me demande aujourd'hui combien d'espace on peut donner à ce monde qu'on ne voit pas à pouvoir nous contribuer, et également nous, à partir de là, avoir plus d'espace pour être la contribution qu'on est dans l'incorporation avec un corps, en fait. Et, ouais. Et ces ponts-là sont extraordinaires. Pour l'avoir vécu récemment en séance, j'avais quelqu'un en séance, et avoir vécu ça,
je me suis dit, waouh, combien plus de ça? Moi, enfin, c'est pas que je veux ça tous les jours, c'est que je veux ça comme style de vie. Pas forcément faciliter tous les jours et tout et le faire, ouais, d'accord. Mais aussi, à partir de là, quoi d'autre est possible? Quand on et c'est fait... là vraiment, je vais juste, combien de fois est-ce qu'on pense qu'on facilite que quand on facilite? Donc, quoi si en fait on est cette facilitation de possibilités, nous qui posons des questions? C'est là où tu es, en fait, cette facilitation dans le monde. Et si tu ne reconnais pas ça, si tu penses que toi, tu n'as pas de capacité avec ça ou parce que n'importe quoi, tu as concludé à propos des entités, combien est-ce que tu limites, en fait, tous les domaines dans la vie? Et surtout avec les corps, en fait, il y a tellement de plus qui est possible avec nos corps si tu es prêt aussi, ou avec les corps sur lesquels tu travailles, ou avec lesquels tu crées, ou avec lesquels tu travailles. Si tu es prêt aussi à reconnaître toutes les autres énergies, tous les êtres avec lesquels tu as affaire. Tout à l'heure, Yasodhara t'a demandé si nos corps, ils avaient des points de vue sur les entités, ou tu as parlé de recevoir, ou de recevoir, si d'accord, pardon, s'ils avaient des points de vue sur recevoir des entités, et en fait, est-ce que nos corps ont un point de vue sur les entités, ou est-ce que c'est nous qui avons des points de vue sur les entités? Bonne question. Combien de fois est-ce que nous, on dit « Ah, ça fait mal !» En fait, si tu demandes quoi, est-ce que c'est vraiment c'est une douleur ou c'est une intensité? Et c'est là aussi combien de fois est-ce qu'on mésidentifie, en fait, ce qui se passe, parce qu'on y pend une étiquette. « Ah, ça fait mal, hein, c'est inconfortable, ah non, j'ai pas envie maintenant, oh, ça me réveille, oh, j'ai peur, plein de choses. » Qui nous tient toujours, en fait, à diminuer les possibilités, mais combien est-ce que ça nous tient aussi à nous diminuer, nous? Combien est-ce que tu dis constamment avec tout ça à ton corps, « Ah, mais stop, stop, stop. Non, pas maintenant, non, pas comme ça. » Quoi si tu pourrais, en fait, t'ouvrir à une curiosité et une autre possibilité? Hey! Est-ce qu'il y a des questions, en fait, sur le Facebook Live? Il y a des gens qui font coucou, mais je vois pas de questions. Il y a des gens qui font coucou, mais je vois pas de questions. Cool. Et donc, alors, ce que tu viens de dire, par contre, c'est que parce que est-ce que tu veux dire que quand on a mal quelque part, en fait, est-ce que tu parles d'intensité? Est-ce que ça peut être qu'on capte quelque chose en lien avec des entités et que ça passe par notre corps? Mais combien est-ce que ton corps te donne la perception des entités? Et c'est super marrant. Je pense qu'il y a un an maintenant, j'étais en Hollande en train de donner une classe d'entité où c'était le jour d'avant. Et j'étais dans une place où il y a eu beaucoup de choses avec la guerre. Et je me dis, ah, je vais aller chercher un bon café. C'était vraiment un gros détour. Mais je dis, non, j'ai vraiment envie. Donc, je dis, OK, cool. Quand on a vraiment envie, on fait le gros détour. Hein. On arrivera un peu plus tard après le lunch. Et donc, je vais prendre le café. Après, je retourne vers la classe, en fait. Et en une fois, comme si j'ai un coup de marteau, en fait, et que je deviens tellement fatiguée que presque je ne peux plus avancer. Et c'était là. Oh! Et ça m'a pris au moins 10 minutes avant que j'ai posé une question. Et quand je posais la question, en une fois, il y avait ce monde qui s'ouvrait. Ah, mais attends, on est ici. Qu'est-ce qui s'est... Oh, waouh! Combien d'entités sont ici? Combien est-ce que mon corps capte ces entités? Ici. Et moi, je pense que je suis fatiguée. Et le moment que je le reconnaissais, s'il y avait vraiment un autre espace qui s'ouvrait. Et c'est vraiment là, quoi, si tu peux vraiment choisir d'être l'espace à tout moment, au lieu de te faire envahir par ta conscience. Et ça, c'est vraiment où en fait, cette classe aussi et ces outils, tous les outils d'Access Consciousness et d'une certaine façon et vraiment autrement encore plus les outils parler aux entités, parce qu'il y a, personne sur qui tu peux compter que toi. Il y a personne sur qui tu peux compter que toi. Et combien de fois est-ce que tu as douté, en fait,
ce que tu savais parce qu'il n'y avait personne autour de toi qui pouvait s'aligner, qui pouvait confirmer. Et cette classe est vraiment une invitation à commencer à renforcer en fait, partout où tu as choisi le doute ou des autres en fait, t'ont invité à choisir le doute de toi. T'ont invité à commencer à douter ton corps. Combien d'entre vous, vous doutez votre corps qui ne fonctionne pas normal, qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir la légèreté. N'importe ce que tu demandes avec ton corps, quoi si tout est juste. Tout est juste à propos de toi, à propos de ton corps. Qu'est-ce que tu devrais être prêt à recevoir à propos de toi, reconnaître à propos de toi, pour pouvoir recevoir aussi les prises de conscience dont ton corps est conscient. Et je m'excuse, je suis un peu dans le mode maestro. J'adore. Et je m'excuse pas du tout. Non, mais c'est vraiment là. Quoi de très possible avec les corps, avec les entités, si tu devrais plus jamais choisir en fait la séparation entre les deux. Et pour beaucoup de gens, quand tu regardes tes enfants, pour eux c'est une réalité, c'est leur réalité. Donc pour combien d'entre vous qui regardez ces Facebook Live maintenant ou plus tard, en fait c'était votre réalité. Mais comme personne autour de vous, vous avez cette réalité, vous avez commencé à renoncer. Et combien est-ce que ça crée en fait la destruction de vos corps? Ouais, et on s'est vu avec Céline vendredi un échange de bar. Et moi j'ai un chien, et à un moment le chien il s'est mis à être beaucoup plus excité, encore plus excité que que normal. Et en fait on a posé la question entité. On a posé la question des entités et c'était léger. Et donc c'est vrai qu'avec les outils d'Access Consciousness, en fait, à la fois pour savoir, en fait, on pose des questions. Et puis après les déblayages, par exemple, c'est quelque chose de simple. Parce que souvent, dans cette réalité, il y a des gens qui disent qu'il faut se protéger, il faut faire ceci, prendre de la sauge. Et puis, il y a des gens qui savent, et puis les autres, ils ne savent pas, et toi, tu ne sais pas. Donc, il faut que tu ailles voir quelqu'un qui va savoir, qui va savoir quoi faire. Et c'est vrai qu'avec avec les outils d'accès, ça, c'est tellement plus simple. Yeah. Et c'est vraiment une invitation à te renforcer, toi, pour savoir ce que tu sais. Et vraiment aussi, quoi si rien qui vient vers toi, qui est dans ton univers, qui est dans ton monde, est impossible pour toi. Donc, quoi si tout ce que tu perçois, tout ce qui vient vers toi, c'est parce que toi, tu as la capacité pour contribuer à cette énergie, changer cette énergie, faciliter cette énergie, créer avec cette énergie, recevoir avec cette énergie. Et maintenant, c'est à toi de commencer à voir, waouh, comment est-ce que je gère en fait mes prises de conscience? Est-ce que je suis prêt à être ce qu'il faut? Ou est-ce que je me fais séduire par les justifications et les histoires de cette réalité? Ouais. Et est-ce que je peux encore ajouter quelque chose? Non, t'es clair, c'est fini. C'est terminé, 15 minutes. En fait, la première fois que j'ai entendu parler de cette classe, parler aux entités, Shannon, à l'époque, elle avait une classe d'introduction sur son site qu'on pouvait télécharger et j'avais commencé à l'écouter. Et moi, je me disais, mais j'ai aucune capacité avec les entités, j'entends rien, je vois rien, je sais rien, quoi. Et j'ai juste par contre, j'avais envie d'écouter cette classe d'introduction, donc je l'ai écoutée plein de fois. Et puis, en fait, je me suis mise à devenir très, 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 très triste. Mais ça a duré plusieurs jours où vraiment, je me réveillais, ça n'allait pas. La fin de la journée, c'était encore pire. Je pleurais. Il y avait un challenge vidéo. J'avais fait une vidéo. C'était tout noir et je pleurais. Tout le monde m'a dit, mais t'es là, ça ne va pas. Qu'est-ce qui... Et puis, à un moment,
je suis allée dans... Ah bah, c'était à Nantes, justement. J'étais à Nantes, je me souviens. Et dans la rue, je me suis dit tout à coup, OK, est-ce qu'il y a un déblayage ? Est-ce qu'il y a des entités ici ? Et en fait, là, je me suis mise à faire le déblayage. Parce qu'en fait, la classe d'introduction, je l'avais écoutée, mais comme je perçois rien, comme j'entends rien ou je vois rien, je m'étais dit, je ne fais pas le déblayage. Je n'avais pas de raison de le faire. Et puis, tout à coup, je marchais dans Nantes et je me suis dit, oh là là, mais est-ce qu'il y a des entités ici ? Et là, j'ai fait le déblayage. Et à partir du moment où je l'ai fait, eh ben, toute la tristesse, elle est partie, en fait. Yeah. J'ai trouvé ça drôle. Oui, et il y a des multiples manières sur comment le corps, en fait, il verbalise les perceptions. Parce que combien de fois est-ce qu'on rendrait ça comme un tort ? Ah oui, je me sens dépressive ou je suis malheureux ou quoi que ce soit. Mais quoi si c'est juste ton corps, en fait, qui est en train de verbaliser une énergie qu'il perçoit autour de lui, autour de toi ? Donc, pour les gens aussi qui regardent, combien de manières, en fait, est-ce que ton corps a... ou est, ou ils verbalisent des énergies que toi, tu as décidé que c'est des émotions ou des pensées ou des sentiments qui sont tellement toi que tu poses même plus des questions. Yeah. Et c'est vraiment là, les corps... Waouh, qu'est-ce que tu as décidé aussi à propos de ton corps basé sur des perceptions d'énergie autour de toi? J'ai une question par rapport à ça, parce que bien souvent, effectivement, il y a cette lourdeur, cette tristesse, souvent liée avec... des gens qui sont passés ou des entités, des fantômes comme on les appelle, ça tombe bien, on a une ghost versation. Qu'est-ce qui fait que on va percevoir cette lourdeur, cette tristesse, plutôt que d'avoir un échange fluide et simple, léger? Ma question serait aussi vraiment, waouh, est-ce que c'est une lourdeur qu'on perçoit ou est-ce que c'est comme ça qu'on définit une énergie? Et ça, c'est vraiment un cadeau avec ces classes aussi pour moi. C'est vraiment d'aller voir combien d'énergie est-ce qu'on a identifié comme quelque chose. Et maintenant, chaque fois quand cette énergie particulière remonte, en fait, on la casse immédiatement dans ce qu'on a défini. Et on ne pose même plus la question, waouh, qu'est-ce que c'est ? Si je ne connaissais pas ceci comme lourdeur, qu'est-ce que ça me permettrait de percevoir maintenant ? Yasodhara, il y a une question dans le... En fait, il y a quelques commentaires, mais il y a aussi une question. Il y a quelqu'un qui demande quelle est la différence entre l'intro entité et l'intro walk-in. Ah, cool. Donc, en fait, les walk-in, c'est pas une classe intro. Donc, les walk-in, c'est vraiment une classe spécialité et ce sera une soirée. Donc, ce sont des soirées ou des journées, ce sera une soirée. Alors, l'intro, c'est... En fait, il n'y a pas de... Comment ça se dit ? Il n'y a pas de forme ou de structure dans ça. Les walk-in, ce sera particulier spécifiquement sur en fait, les walk-in. Et pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est où tu as un corps. Et quand l'être en fait, ne veut plus être avec ce corps, ce qui se passe en général, c'est que, ben, en fait, y a la possibilité où il y a un autre être qui entre pour en fait, prendre le relais. Et ce que j'adore dans cette classe et avec ce phénomène, en fait, c'est que quoi si c'est quelque chose qui est entièrement naturel, mais combien de fois est-ce qu'on a tellement de conclusions à propos de ça, on a tellement de points de vue, que ça ne nous permet pas, en fait, d'avoir l'aisance de cette possibilité avec les êtres et avec les corps. Et du coup, donc ça va être une soirée qui peut être suivie en ligne ou en présence à Nantes. Exactement. Oui. Mais qui peut servir de classe d'introduction, qui peut servir d'introduction aussi à la classe du commencement. Oui, et donc l'intro, c'est intro. Donc ça peut aussi compter pour l'intro, pour le commencement.
Il y avait aussi une question par rapport à, puisqu'on est dans la classe, quelqu'un demandait si on pouvait suivre le commencement en ligne ou c'était en présentiel. Non. Ben, c'est possible avec Shannon et je pense que Kalpana aussi le fait en français en ligne, mais le nôtre, ce sera en présentiel à Nantes. Donc, les samedis, dimanches, c'est possible en ligne, en présentiel. En présentiel. Chez nous. Yay! Yay! On a hâte de se toucher et embrasser vos corps. Céline, est-ce que tu veux encore dire... Toi, tu veux encore ajouter quelque chose ici? Ou tu es mutée? En cas où tu... Yeah. Voilà. Non, non, moi je suis super excitée en fait. C'est un sujet que j'adore. Ça fait quand même partie de mon univers. Voilà, depuis que je suis toute petite, j'ai vraiment repris conscience grâce aux outils d'accès parce que j'étais dans les personnes qui étaient juste mortes de trouille en continu, qui vivaient ça dans son univers de façon très très intense. C'était, ouais. Et quand les outils accès sont arrivés, ça. Waouh, ça veut dire que je suis pas obligée de faire tout plein de rituels. Ça peut être très simple. J'ai pas besoin d'en avoir peur. Et ouais, ça a libéré énormément de choses dans ma vie. Mais à un point, je peux ouais, l'exprimer en fait là en mots, c'est même encore peut-être trop pour moi pour vous dire vraiment tout ce que ça a pu libérer. Et ça a été Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai vraiment élargi ce champ des entités à tout ce que ça pouvait être. Et c'est magique. Et là, je commence de plus en plus à co-créer avec elles. Et, je vous dis ça et j'ai beaucoup d'émotions parce que j'ai beaucoup de gratitude envers elles, envers tout ce qu'elles m'envoient et tous ces champs qui peuvent venir aussi. Et donc ouais et au moment où je tu vois où j'ai tendance encore à contracter un peu là je le sens et cette classe arrive et je fais waouh génial pilou quand il fallait tu vois donc c'est juste un gros cadeau dans mon univers cette classe wow. Et voilà et j'espère vraiment que ça va être ce cadeau aussi et que plein de personnes vont la choisir parce que ça a tellement ouvert d'espace dans mon monde à moi dans voilà. Et j'adore, comme tu dis, le chant. En fait, il y a beaucoup de gens qui demandent « Ah oui, mais je veux tout recevoir, je veux avoir ce champ de possibilités infinies. » Mais combien est-ce que tu exclus, en fait, avec toutes les conclusions à propos de ce domaine? Donc, quoi si, en fait, les entités peuvent être une invitation pour le champ infini de possibilités pour toi, mais aussi pour ton corps? Et qu'est-ce qui est possible pour ton corps si toi, tu serais prêt à avoir toute conscience, toute énergie et tout espace, n'importe quelle énergie est présent, n'importe quelle entité est présent, avec ou sans corps. Yeah. Et c'est vraiment là quoi si aussi la communication par exemple avec les entités peut vraiment aussi waouh restaurer énergétiquement aussi des choses pour toi et pour ton corps qui auparavant n'étaient peut-être pas tout à fait possible. Et si tu veux déjà, si tu regardes ce live et tu as déjà fait des classes entités ou tu aimerais les faire ou tu penses que c'est pas pour toi ou tu y penses peut-être ou tu poses des questions, quoi si tu commences à demander aussi à partir d'aujourd'hui, waouh, quels sont mes signes en fait? Comment est-ce que mon corps me montre des choses que moi je reconnais pas parce que j'ai tellement de points de vue sur comment quelque chose doit venir, sur comment quelque chose doit ressembler que ça me permet pas en fait de voir ce qui est présent ou de percevoir ce qui est présent. Yes. Hello. Oh, ils grandissent. Et je pense sur cette note qu'on va un peu. Oui. Et on a parlé. En fait, on a rendez-vous dans une semaine.
Yes. Et cette fois, c'est entité et business. Est-ce qu'on a encore le temps d'une question, puisqu'on était dans la voix, on a eu une question oui. sur les voix. Vous parliez de chant. Et là, la personne dit « Bonjour, Yab Sodara, tu es splendide. Et si on entendait des voix qui nous causent des problèmes, et ce, après une forte dépression, est-ce des entités ou des démons ?» Ben, ça, c'est une bonne question. Et c'est vraiment là, si les démons n'étaient pas torts et les entités n'étaient pas bons. Et dans l'autre sens aussi, qu'est-ce que ça nous permettrait de percevoir et combien plus est-ce que ça nous permettrait en fait d'employer ces outils et de faire ce qui est requis pour créer un changement énergétique, pas que pour nous, mais aussi pour le monde. Et là, tu peux commencer à te demander, waouh, est-ce que c'était entité, est-ce que c'était démon, est-ce que c'était les deux? Qu'est-ce que toi, tu as perçu que tu n'as pas encore reconnu? Et ça, c'est tellement différent avec ces outils. C'est pas à propos de quelqu'un qui va te dire comment l'histoire se fait pour toi, qu'est-ce qui s'est fait, mais c'est vraiment une invitation à toi pour commencer à baisser tes barrières et à commencer à voir, waouh, hé, mais c'était quoi tout ça? C'était quoi tout ça? Et partout aussi où j'ai créé une distance entre moi et ma perception, parce que peut-être c'était trop intense ou peut-être que tu voulais plus aller vers là, combien est-ce que ça nous empêche souvent de vraiment reconnaître ce qui était présent pour pouvoir changer ça à tout moment? Est-ce qu'il y a une réponse ou quelque chose? Et ça peut être intéressant de voir, waouh, est-ce qu'une classe entité va contribuer? Et il y en a plein, en fait, en France aussi, et partout dans le monde. Est-ce que ça va contribuer? La personne s'appelle un nom plus maghrébin. Je dis pas de nom, je dis simplement que la personne a un nom maghrébin. Ok, cool. Pardon. Non, mais c'est là vraiment poser question. Je dirais aussi, waouh, est-ce qu'une classe ou un call ou qu'est-ce qui va contribuer au fait à recevoir plus de clarté et à renforcer en fait ton savoir, ton percevoir, mais aussi ton être. Donc elle a répondu que c'est pas elle qui entend les voix. Ok. Mais voilà, c'est aussi autant de contributions avec les outils de la classe à proposer la clarté pour les autres. Enfin, c'est vrai qu'en ayant soit les outils, à combien on va pouvoir poser des questions aux autres, à commencer à se poser des questions, et combien d'autres vont pouvoir se poser des questions, et comme ça, à combien on va pouvoir tous s'ouvrir à plus de conscience avec ces outils-là. C'est vraiment, ok, ouais. J'ai ces outils-là, je ne sais pas ce qui se passe dans ton univers, mais avec ces questions que tu vas pouvoir te poser, parce que je te les pose, qu'est-ce que tu sais, à quoi tu peux t'ouvrir et combien d'aisance on va pouvoir avoir tous en fait. Et c'est vraiment une classe, c'est une invitation pour soi, une invitation pour les autres, des atouts pour soi, des atouts pour les autres. Et si on pouvait comme ça avoir plus d'espace les uns avec les autres, combien de gentillesse on s'ouvre à se rendre plus capable, plus potent finalement dans notre savoir et dans le fait de renforcer les uns et les autres avec ces outils. Yeah. Et quoi, oui. Et si le cadeau était aussi de commencer à voir, waouh, est-ce que je pose des questions parce que je veux trouver la bonne réponse pour pouvoir faire la bonne chose? Et de commencer à voir, mais quoi d'autre est possible au-delà? Et sur cette note, je pense que je vais la laisser comme ça, ouvert. Yalla. Merci à vous. Merci à toi, merci à vous. Mmh.
On se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Ciao.